Bienvenue! Laissez-vous guider dans l'utilisation de l'application Otot. Une fois votre inscription validée, connectez-vous à votre compte. Cliquez sur « Choisir un fichier local » et sélectionnez un fichier audio ou vidéo à retranscrire. Plus de 40 langues sont disponibles. Cliquez sur le drapeau correspondant à la langue de votre enregistrement. Vous pouvez dès l'envoi créer un projet ou sélectionner un projet existant afin de classer facilement vos fichiers. Pour une retranscription parfaite, l'équipe Otot propose un service de relecture professionnel, à condition de posséder du crédit de relecture sur votre compte. Ce récapitulatif avant envoi vous permet de modifier vos informations ou procéder à un envoi multiple de fichiers. Pour retrouver votre fichier, allez sur la page « Mes fichiers ». Surveillez l'état de votre fichier. Une fois fini, vous accédez à la retranscription dans un nouvel onglet. L'éditeur de texte se divise en deux parties. À gauche, votre fichier audio ou vidéo. À droite, votre retranscription. L'audio est synchronisé avec le texte pour visualiser plus facilement votre transcription. Relisez, corrigez, modifiez votre texte. Le bouton « Aligner » permet de resynchroniser le son et le texte. Sauvegardez votre travail, puis récupérez-le en cliquant sur « Exporter ». Choisissez par exemple le format sous-titres.srt. Le fichier est disponible dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Voici un exemple d'importation de votre retranscription sur votre vidéo. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Vous avez 10 minutes d'essai gratuit à votre inscription. Alors c'est parti! Pour plus d'informations, téléchargez notre guide ou contactez-nous.